La guerre, c'est pas les motivations qui manquent. Le truc, c'est que le bidas sur le champ de bataille, lui aussi, il lui faut une motivation. Et mes petits copains et moi, on en a déniché une pas mal du tout. Bienvenue dans le 222e bataillon. De son petit nom, la compagnie B, où ils ont rassemblé tous les bras cassés et les fouteurs de merde jugés irrécupérables par l'armée. Ils l'appellent la Bad Company. Une ribambelle de losers qui servent de chair à canon à leur beau pays. Mon nom est Preston Marlowe. Vu mes exploits passés, ils auraient pu me foutre en tôle. Mais ils m'ont transféré ici. Ceci est mon histoire. Deuxième classe, Preston Marlowe. À vos ordres, chef. Tu ne serais pas gouré d'endroit, toi? Je crois pas, chef. Combien y a de morts, déjà? Je dis 13, c'est non, ça? 22. C'est bien la compagnie B, ici, non? Qui survivent. Tu vois, ouais, qui s'en c'est bien ça. C'est jamais que la moitié qu'on... Mais arrête avec tes chefs, tu veux bien? Je suis sergent. Ah, oh, monsieur le président. Oui, chef. Désolé, chef. Attends, fais voir ton flic. Oh, enfin, sergent. Ouais, bon. Le type, là, c'est Sweetwater. Salut, alors, tu viens jouer à la guerre? Et lui, c'est Haggard. Salut, ça boum. Dis donc, tu sens le propre, toi? Moi, c'est Redford. Tu peux m'appeler comme ça, ou sergent. De toute façon, on est dans le même merdier, pas vrai? Si, sergent. Vous savez dans quelle escouade je suis, normalement? Les nouveaux, ils sentent bizarre. Tu sais, comme... à jouer tout neuf. Je sais pas. 20 sacs qui clament avant samedi. Sergent? Tu viens avec nous? Allez, le bleu. Le bleu? Ok. Moi, je dois rentrer au pays dans 3 jours. Mais il faut que tu rencontres les autres. Lui, c'est Haggard, le maniaque des explosifs. Par quoi? J'aime bien quand ça pète de partout. Ouais, tant que c'est l'ennemi qui prend, ça me va. Oh, hé, ça va. Bon, Sweetwater, honnêtement, si jamais t'as envie de tailler des gras, c'est ton nom. Ça, c'est la meilleure. Je parle pas tant que ça. Ta gueule. Bravo, El Charlie. Ici Mike Wanjuliet. À vous. Jules, t'écoute un peu. C'est Miss Juliet, notre petite horloge parlante. Mike Wanjuliet, ici bravo, Wanjuliet. Vos ordres sont de partir en reconnaissance devant le convoi. On vous recontacte. Les ordres changent. Terminé. C'est une bombe, cette fille. Sweetwater.
regardez ça. La cavalerie. Ouais, c'est quand même bizarre qu'ils se tirent toujours pile dans la mauvaise direction quand on va au feu. J'espère qu'ils sont à nous, ces canons. Ils savent bien, en tout cas. Embuscade. Oh, merde. Arrête de chialer, Sweet. Ça manquait un peu d'animation. Et puis regarde le petit nouveau, il est... Oh, merde. Le bleu est mort. Quoi, déjà? Je commençais à peine à retenir son nom. Je crois que c'était Joe. Il s'appelle tous Joe. Il s'appelle Preston. Preston Marlowe. Et il est pas mort. Pas vrai, soldat? Bon, voyons un peu. Essaye de suivre mes instructions. Regarde en haut. Ok, en bas maintenant. Ça va aller, Marlowe? Hé, hey, le bleu, ramène tes fesses. Sous la bagnole. Te v'là, le bleu. Ah, tu sens moins bon maintenant, hein? Bienvenue dans la Bad Company. La vache, t'as pris cher. T'es sûr que t'es en vie? Sers-toi de l'injecteur automatique, ça va te remettre sur pied. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Comme neuf! Ton flingue a bien morflé, lui aussi. On va voir s'il marche encore. Essaye de dégommer les barils, là-bas. Ok, bon, ça a l'air de marcher. Pense à récupérer toutes les munitions que tu trouveras, dans les caisses ou sur les Maccabées. Ça sera pas de trop. Tu peux aussi jeter des grenades, hein? Essaie de faire un trou dans cette baraque. C'est cool. Wouhouhou! La belle bleue! Pas besoin de passer par la porte. Tu t'en fais une. Il est foutu. Marlowe, trouve un outil et essaye de réparer ça. C'est un truc électrique que t'as là, mec. Garde-le pour réparer les véhicules. Marlowe, remets-moi cette épave en état de marche. Beau boulot, Marlowe. On va peut-être te garder, finalement. Merci. T'es le roi de la mécanique, toi. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. À vous. Ah, cette coquine de Miss Juillet. Mike, One Juliette, ici Bravo, One Charlie. À vous. On signale un pilonnage massif, coordonnées 6-4-1. Vous avez le feu vert pour neutraliser les pièces d'artillerie. Terminé. Hé, hey, vous avez entendu la dame? On neutralise l'artillerie. Ouais, j'appelle pas ça y aller pépère. Hé, hey, t'avises plus de m'appeler pépère, pigé? Allez, barrons-nous avant que les Russes coffres reprennent leurs esprits. Comment on fait, sergent? On traverse les lignes ennemies en courant toute blinde? Brillante idée, Haggard, vraiment. Ou alors, deuxième option, on chope ce véhicule. Bon, le manuel dit rien sur l'attaque des gros points d'appui à 4 gus, mais peut-être que... Moi, je dis, on se pointe là-bas et on leur explose la gueule. Emballer, c'est peser. Non, écoutez-moi. Pas de risque inutile. On y va ensemble et on reste à couvert autant que possible. Allez, à cheval. On y est. Ouvrez l'œil, ok? Et Sweetwater, la ferme. Quoi? J'ai encore rien dit? Pas si, à l'instant. Toi, va te faire. C'est une proposition. Faut gueule. Planquez-vous, ils sont nombreux. À
infanterie repérée. Hé, hey, John Lennon, j'ai vu des Russes. Il est pour vos gueules! Couvrez-moi! Vous arrêtez pas! Les lâchez pas! Vous me couvrez, les gars! Je recharge! Couvrez-moi, les gars! Ok, il n'y en a plus. Les gars, en avant. T'arrêtes surtout pas! L'ennemi progresse. C'est le dernier. À nous de jouer. Eh ben, Preston! Les gars, le centre-pied!
Ça va tout le monde? En pleine forme. Ça va. Le bleu aussi. Bien joué, petit. Pas facile de rester en vie, hein. Ok, les gars, regroupez-vous. Bravo, Juan Charlie. Les canons sont toujours intacts. Le convoi Juno a fait une mauvaise rencontre près du pont. À vous. Mike, Juan, Juliette, vous voulez vous servir des canons ennemis? À vous. Affirmatif. Arroser leurs troupes près du pont. Mais attention, on a des hommes dans le secteur. Terminé. Je passe mon tour. Si j'allume nos gars, je vais encore me faire engueuler. Eh, j'ai une autre idée à la con. Le bleu a qu'à le faire. Ouais. Active, Marlowe. Le convoi signale l'arrivée de véhicules ennemis. Ouvrez le feu dès que possible. Impact sur objectif. Impact confirmé. C'est confirmé. Véhicule neutralisé. Laissez le doigt sur la gâchette. Tire parti sur objectif. Attendons impact. Tire d'artillerie sur objectif. Attendons impact. Ils se mettent à pleuvoir. C'est bon, le dernier est HS. Nickel le pilonnage, soldat. Je piste d'autres salopards sur la route. Tire d'artillerie sur objectif. Attendons impact. Tire d'artillerie sur objectif. Attendons impact. Bravo, Juan Charlie. Ici Mike, Juan Juliette. Le convoi Juno va devoir passer ailleurs. Le pont est en ruine. Il y a un guet un peu plus loin, ça fera l'affaire. Vous ferez le ménage, messieurs. À vous. Ok, on s'en occupe, Mike, Juan Juliette. Terminé. Je ferais bien une pause, moi. Plein le cul de marcher. Pourquoi on se dégote pas une caisse? Eh ouais, on pourrait prendre un de ces gros camions, là. Genre, camionosaure. Effet de surprise garanti pour les Ruskov. Qu'est-ce que je peux répondre à ça, Agarde? Belle initiative, le bleu, c'est parfait. J'appelle pas ça un camionosaure.
avant. La voie est libre. Merci. Sécurisez ce guet. On vous rejoint dès qu'on se sera frayé un chemin. Terminé. On peut fouiller la maison ? Négatif. Mais y a peut-être des trucs chouettes dedans. Ouais, et puis le pillage, c'est une tradition, sergent. Bon, Marlowe, jette un œil. Quoi, le bleu, il a le droit, lui ? Elle, bleu, d'où tu sors ce flingue ? Il a l'air un peu moins merdique que celui que t'avais avant. Oh putain de merde, dites-moi qui nous a pas vus. Il y a des Russes pas loin d'ici. En plein dedans. Attention, infanterie ennemie. Ouais, ouais, vous m'avez compris. Je recharge, les gars. Et ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah, l'armée, c'est pour ça que je l'adore. Serre-toi de la sous-traiteuse. Ouvre-moi. À terre, tout le monde. Et voilà. On les tient, les gars. Putain, c'est pas passé, moi. Génial. Noir. Bon, bravo One Charlie. Le convoi Juno se dirige vers votre position. Tenez bon jusqu'à son arrivée. Terminé.
Restez avec moi. Le convoi va arriver d'un moment à l'autre. Char léger, au passage de la rivière. Bloquez-vous, bloquez-vous. À vous de me couvrir. Oh. Hé, hey, regardez, v'là notre hélico. Dieu bénisse les explosifs. Couvrez-moi. On se regroupe. Mike One Juliette, ici Bravo One Charlie, à vous. Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. Beau boulot près du fleuve, messieurs. J'ai une nouvelle mission pour vous. C'est urgent et ça s'appelle Objectif Mustang. À vous. Eh, hey, dites-lui bonjour de ma part. Objectif Mustang, bien reçu, terminé. Bon, écoutez-moi. Il y a une ferme à l'ouest, probablement occupée par les Russes. On part en reconnaissance et on liquide l'ennemi. Il y a des Russes qui arrivent! Couchez-vous! Je suis pas là pour ton emmerde! Et encore un! Alors, nouveau? T'as pas envie de savoir comment trois mecs sympas comme nous ont atterri dans la bad compagnie? Oh, il le saura bien assez tôt, va. Alors je t'explique. Hagard a été transféré ici après avoir fait sauter le plus gros arsenal de Paris. Moi, j'ai niqué le réseau de l'armée avec un virus, sans faire exprès, hein. Et le sergent? Eh ben, dites-lui vous-même, sergent. J'ai un deal. Ils m'ont dit que je partirais plutôt à la retraite si je venais ici. Le truc, c'est que c'est cette compagnie qui a le plus fort taux de mortalité de l'armée. Heureusement, le sergent a la peau dure. Plus que trois jours et je me casse à la pêche. Vous continuerez cette guéguerre sans moi? Ouais, on va y aller pépère. Risque zéro, promenade du dimanche.
Viens voir des Russes. Attention, il y a des Russes. Descendez-les!
Ça défile! Allez, canardez-les! Ok, rassemblement! Oui, alors si c'est encore pour dire que je parle trop, je tiens à préciser tout de suite que... Il a raison. Ça vient de la grange. Oh, merde! À couvert! Faut qu'on neutralise ce char! Marlowe, il nous faut quelque chose pour dégommer ce char. Cherche un peu dans le coin. Bien joué. Bien rassemblement au fumigène. Je me souviens du premier tank que j'ai dézingué. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. L'appui aérien arrive. Restez à couvert en attendant. Terminé. Bravo, One Charlie. Ici Super CX-5. Je mets le cap sur votre position. Tenez bon. Terminé. Bravo, One Charlie. J'arrive sur la zone de posée. Écartez-vous. Terminé. Ici CX-5. Je suis touché. Je suis touché. Eh merde, ils ont eu l'hélico. CX-5. Je vais au crash. Je vais au crash. Chiat! Quel bordel, va encore falloir se démerder. Putain, j'en étais sûr. Bravo, One Charlie. On ne peut pas vous envoyer d'hélico. Alors vous continuez. Comment ça se présente de votre côté? À vous. Tout va bien, à vous. Vous avez maintenant ordre de vous occuper de la DCA de l'objectif Impala. C'est votre nouvel objectif. Terminé. Bien, écoutez-moi. L'objectif Impala est un point d'appui anti-aérien, et on a l'ordre de le détruire. Go! Je me demande où Miss Juillet aimerait passer un week-end. T'oseras jamais lui demander. On est en guerre, Sweetwater. Oublie tes week-ends. Je sais, mais tout ça va bien finir un jour, non? Tu crois encore au Père Noël à ton âge? Bravo, One Charlie. Mike, One Juliette. On signale d'importants mouvements ennemis dans votre secteur. Les avions de soutien, à vous. Mitrailleuse, faites des armes! Des camions de soutien et du matériel. À vous. Bien reçu. Je vous recontacte. Terminé. Trouvez-moi du C4! Quel carnage! T'es bien entraîné, Preston! Ça doit être les canons qui ont descendu Super Six Five! Ouais, on va leur faire l'enfer! Couchez-vous! Oh!
Enfoiré de rouge. T'améliore. Vous me couvrez, les gars. Des rouges, attention. Bordel. Ils ont sorti le gros calibre. Doucement avec les explosifs. Tu peux t'éclater avec, hein, mais fais gaffe où tu les mets. Fais-moi péter ces petits joujoux au C4, allez! Marlo, t'as toujours le C4? Fais sauter le dernier canon! Au boulot, les gars. Tout le monde se regroupe. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliet. À vous. Ici, bravo, One Charlie. À vous. Bravo pour la DCA. Mais pour la quille, faudra patienter. Les camions que vous avez vus se dirigent vers une ferme, à l'est. C'est peut-être un point de ravitaillement, il faudrait le détruire. À vous. Oui, entendu, on s'en occupe. À vous. Vous avez le feu vert pour l'objectif Bronco. Terminé. Bien, les gars, encore une ferme à nettoyer, avant que j'aille taquiner le goujon. À cheval. Hé, hey Preston, t'as pas 100 balles à me prêter ? Lui donne pas, il passe son temps à racketter les petits nouveaux. Bah, faut dire aussi qu'il clame tellement vite que j'ai pas besoin de les rembourser. Sans rancune. Bah tiens, sans rancune. T'es sacrément gonflé, toi. Tu lui piques son blé en attendant qu'il claque. Le truc, c'est que si je pique 10 dollars à son gars, ça fera un pactole de 10 000 dollars. Pas con, hein. Ouais, bah profites-en pour te payer des cours de maths. Tu parles. Quand t'es riche, t'as pas besoin de maths.
des Russes. Fort ennemi, attention! Attends, on va pas se taper l'offensive tout seul! Y avait pas 2-3 Gus avec nous avant? Tu sais, la colonie de vacances avec tous ces mecs en kaki? Ouais, bah ils sont en chemin, mais d'ici là, il va falloir tenir bon. Allez, on les tient! Attention! Y a un véhicule qui se dirige vers le pont! Allez, on se relève! Hé, hey, tu nous en laisses un ou deux! Courage, les gars, faut tenir cette position un petit moment encore! Ah.
to where you are! Regroupez-vous! Ouais! Alors, on la ramène moi, hein? Voilà la cavalerie! J'en avais mis du temps! Le périph' est toujours bouché! Bien joué, les gars! On se trisse avec le convoi! Allez, go! Et à votre avis, lequel gagnerait le combat? Un de ces chars russes ou le camionosaure? Bon, le char question puissance de feu, ça envoie. Sérieux, les mâchoires du camionosaure, oh là là, je les ai vus bouffer de l'acier comme ça! Bordel, encore un tir d'artillerie! Bourrez! Putain, c'est la poisse ce qu'on voit! Pilonnage! Go, go! Mike One Juliette, ici Bravo One Charlie. Ils nous mettent la misère ici. À vous. Bravo One Charlie, c'est les pièces d'artillerie de l'objectif Bouvillon. Attendez l'appui aérien. On va nettoyer tout ça. Terminé. Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. Ils brouillent les systèmes d'armes de nos avions. Je vois qu'il y a des radars mobiles. Occupez-vous-en et on vous enverra le feu d'artifice. À vous. Reçu, on y va. Terminé. Bon, on fait ce qu'a dit la dame. Il y a des Russes partout! À terre! À terre! Tirez! Attention! What? Touché! Merde! Je suis encore vivant! Oh,
Lâchez la sulfateuse! Les lâchez pas! Touché! Faut qu'on aide Preston! Il est salement amoché! Ok les gars, regroupez-vous. Bravo One Charlie, l'objectif Bouvillon a le feu vert. Mettez-vous à l'abri et attendez le feu d'artifice. Bravo One Charlie, planquez-vous. Largage dans 3, 2, 1, c'est parti. Bordel! J'aurais dû aller dans l'armée de l'air. Ça, c'est de l'explosion. Bravo, One Charlie. J'espère que le spectacle vous a plu. Le convoi Juno reprend la route. C'est bien joué. À présent, allez-y et liquidez toute présence ennemie. Terminé. C'est des Russes, ces mecs? Je crois pas. Putain, je le sens pas du tout, mec. Je suis en train de recharger. À vous de jouer, les gars.
Attention, ça mitraille. Il y a encore des ennemis. Couvrez-moi, les gars. On assure nos arrières. Bon travail. Merci, bravo One Charlie. Je confirme que l'objectif Taurus est un succès. À vous. Très beau travail, sergent. Vous êtes toujours au complet ? À vous. Non, je crois qu'on a perdu Sweetwater. Répétez ça, à vous. Oubliez ça. Terminé. Sweetwater ! Désolé, sergent. Je suis là, sergent ! Et je crois que vous feriez bien de venir me rejoindre. Bon, ça vaut le coup, j'espère. Putain de fumée! Me dis pas que t'es blessé. Si te renvoie chez toi, je vais être tout seul avec le bleu. Vous feriez mieux de venir voir. C'est pas un russe? Eh non, c'est un mercenaire qu'on tient. Un gars du légionnaire, rien que ça! Waouh, le légionnaire? Je croyais que c'était une légende ce truc-là. Non, non, il existe. Et il a sa propre armée. La plus redoutable du monde, il paraît. Et regardez ça. Acta non verba, la devise du légionnaire. C'est du latin et ça veut dire de l'action, pas des mots. T'es sûr? J'ai bossé un peu chez Taco Chico et ça me fait penser à de l'espagnol. Oh, bouclez-la. Vous, c'est plutôt verba non acta, votre devise. Pas moyen de fermer vos clapets. Allez, on se casse. Vous savez, vous devriez prendre ça au sérieux. Le savoir, c'est le pouvoir. D'ailleurs, il paraît qu'il pèse systématiquement en lingots. Je lui fais les poches pour voir s'il est encore vivant. Dites-moi pas que c'est pas vrai, on a tiré le gros lot. Attends, 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 fais voir un peu. Tout doux, celui qui trouve, c'est celui qui garde. Non, je veux juste jeter un œil. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On a trouvé un peu d'or. Pour des gars malhonnêtes, ça aurait pu poser problème. Mais ce qui nous a sauvés, c'est notre sens de l'éthique. Alors quand le sergent a dit que cet or appartenait à l'armée, on a tous dit ok. Et on s'est remis au boulot. Allez, regarde, filme-moi ton truc.